Attention à Kevin aussi, les corps de Kevin sont là, ça va vite, ça va très vite, hop là, avec Théo Pérennez, Mano Henriquet, ah, il va aussi vite que son père, très rapide, avec Taboyan, avec le NCC pour la finale. Je vais suivre là pendant un demi-tour. Hein. Voilà, il est... C'est un cadet. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, quand vous voulez. Quasiment à l'heure. Allez, on retrouve, on part un demi-tour tranquille. Allez, Lilian. Ah, ils sont capables de finir, Julien. Chercher comme la semaine dernière à Tréguin la première place. Ah, il est imbattable en ce moment, Victor Pasco. Facile, c'est terminé. Ah, il a, on voit que ça va vite, il est premier. On va retrouver Sanson derrière avec Baptiste Sanson comme la semaine dernière. On va peut-être avoir le même podium que la semaine dernière. Ah, pas tout à fait, puisque là c'est un coureur du Drenec qui va venir chercher la troisième place. Allez, c'est pas mal pour le VS Le Drenec, Lilian Monnier qui prend en cinquième position le corps de l'AC Tréguin, Thibaut Lavette. Ah, lui, il est venu presque en voisin. Ensuite, on a eu le passage également parmi les... D'ailleurs, les écoles de cyclisme auront rendez-vous dimanche prochain à Kevin. Voilà, c'est une nouvelle épreuve au calendrier avec le Kevin, puisqu'ils ont maintenant une belle école de cyclisme. Ils organisent donc dimanche prochain dans les rues de Kevin, pas très loin du centre Leclerc d'ailleurs, de Kevin. Sanson 5e et 6e, le coureur de Kevin qui a fait une belle course. Allez, on a encore